Alors, de l'Escaillon, direction Figueroles. Cette fois, je vais pas louper le virage à droite. En principe. Qui est là. J'ai failli le louper encore. Hein. Petit tour des installations. Le bike park. Juste derrière le bike park, là, petite descente. J'ai dû m'arrêter d'enlever une boule de bois. Chiatique. Ça a poussé, hein. On commence à apercevoir l'étang en bas, à droite. Il y a un chemin en dessous, la parallèle. J'avais fait gaffe. Voilà, on est en bas avec un
fois je vais voir ce chemin là. Ouais. Ouais, ça n'a pas l'air mal. Il est temps. Saint-Chamas, droit devant, au fond. Ce qu'il y a par terre, c'est pas des cailloux, c'est tout des coquilles de parcours, de moule, tout ce qu'on veut. Je peux pas marcher pieds nus là-dedans. Hein. Et dans l'autre sens, eh bien, il y a marqué là-bas au fond. Et c'est un peu caché, c'est en retrait. Allez, descendre du Cadéraou. J'ai même pas pensé à regarder ce matin si les collines étaient ouvertes. Ouais, d'habitude en mai je regarde pas trop ça. Parce... sécheresse qu'il y a, alors que je commence à regarder. Direction Figrolles par là. Ni par le plateau, ni par le bas de la colline, c'est un chemin intermédiaire. Sur le flanc. Oui, oui, oui. Ils arrivent à Figrolles normalement.
dernière descente. Descente du bout de piste. Pas mal défoncé quand même. Fini.